Yahoo mon petit poncho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo haul partie 2 du mois de février. Donc si la suite t'intéresse, continue. Je te mets bien entendu la partie 1 en i et en barre d'infos. Et à partir du mois de mars, je pense que je vais retourner sur une seule vidéo pour le mois, parce que je trouve que ces derniers temps je n'ai pas acheté grand chose et je n'avais donc pas assez au niveau du contenu. Donc ça faisait un contenu assez vide, assez... sans intérêt au final. Donc je préfère refaire une vidéo par mois, et si vraiment il y a des mois où je vois que j'ai beaucoup acheté dès les 15 premiers jours, je ferai en deux temps bien entendu. À part, de toute façon, déjà le mois d'avril va avoir le mois même et les achats de la convention Toulouse de séparer, et pareil après je pense au niveau de Paris l'été, il y aura les achats de l'été et les achats de Paris même. On attaque donc avec la première série qui est donc les tomes 2, 3 et 4 de Bye Bye Liberty. C'est un manga terminé en 4 tomes et je te présente la série dans le mois de mars, tout début mars même. La série, ça fait un moment que le tome 1 était sorti, je n'attendais qu'une seule chose, c'était que la série se termine pour pouvoir enfin la lire, c'est chose faite et donc mon avis arrive très vite. On va continuer dans les shoujo avec le manga Le Secret de l'Amitié. Alors il faut savoir que ce manga, il y a eu quelques petits problèmes. Déjà, pourquoi je ne l'ai pas présenté dans les temps alors que je t'avais annoncé que je vous présenterai le 13 février. Akata me l'a envoyé. Malheureusement, mon colis a été perdu. Et en fait, comme moi j'avais envoyé aussi des colis presque au niveau des mêmes dates que Akata avait envoyé le colis, comme moi j'ai vu que mes deux colis a été reçus avec des dates différentes et avec un espace-temps assez important entre les deux personnes, alors que j'ai envoyé le même jour, et ben je me suis dit, bah peut-être que c'est la même chose pour Akata quand ils l'ont envoyé, peut-être que ça a mis du temps. Et puis en fait on a passé quasiment le 20, presque ouais, le 19-20 février, et je n'avais toujours pas reçu. Alors j'ai envoyé un message à Bruno, donc le gars qui gère au niveau des partenariats. Je lui ai dit, écoute, lâche en boutique, je me le prends parce que j'ai toujours pas reçu et je trouve ça bizarre, donc je préfère me le prendre. Et donc je me le suis acheté, et tout simplement mon colis a été volé, et ça c'est vraiment quelque chose de très chiant. Merci la poste en tout cas. Pour terminer côté shoujo, on va avoir la fin des volumes du manga La Maison du Soleil que je t'ai présenté lors de la précédente vidéo, de la vidéo donc de lundi. Et j'ai acheté donc le tome 7, le tome 8, si je dis pas de bêtises, voilà, le tome 9, le tome 10, le tome 11, le tome 12 et le tome 13. Et donc j'ai l'intégralité de la série, donc bien entendu je l'ai déjà présenté et il a déjà été revendu au cas où, voilà. Côté seinen, il n'y a eu qu'un seul titre que je me suis acheté et qu'un seul volume, ça va être le manga Adieu mon utérus des éditions Akata. Je t'ai déjà fait la vidéo, je te mettrai bien entendu le lien en i et en barre d'infos. Et en fait je n'ai plus le manga dans mes mains tout simplement parce que je l'ai déjà revendu et que le colis est parti ce matin. J'ai un petit peu oublié que cet après-midi je filmais mon haul. Mais toujours est-il que donc voilà, j'ai acheté, j'ai lu le manga Adieu mon utérus et je l'ai déjà revendu. On termine côté achat manga avec non pas des yaoi, non je n'ai pas acheté de yaoi pour cette deuxième partie de mois, mais en même temps j'en avais encore beaucoup à lire et d'avance, donc je n'avais pas l'utilité d'en acheter. Par contre je me suis acheté la fin, et donc je dois le lire là dans les jours qui suivent, l'intégralité du manga Mise à Nu. J'avais acheté le tome 1 il y a un petit moment et j'ai déjà lu les premières pages du tome 1, je l'ai presque fini et j'ai acheté carrément l'intégralité parce que ça je savais que j'aimerais. C'est le manga Mise à Nu, donc voici le tome 2, le tome 3, et ce qui est l'avantage c'est qu'on peut montrer les images, le tome 4, et pour terminer le tome 5 de la série. Donc ça je t'invite à aller voir la vidéo planning du mois de mars pour savoir quand la vidéo sortira, mais elle sortira très très vite. Cette vidéo haul est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'oublie pas de me mettre en commentaire quels sont tes derniers achats de moi pour cette deuxième partie du mois de février. Et sur ce, je te retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Sur ce, à bientôt.